Bonjour et bienvenue, on est reparti pour plus de Wartell. On doit fixer notre inventaire. Je voulais prendre le temps de le faire, j'ai pas fait. Du coup, on va devoir fixer ça maintenant. L'arc, c'est quoi? C'est mieux. Je veux qu'on aille mieux. Est-ce qu'on le garde cet arc ou pas? Est-ce qu'on garde? Alors, je crois qu'on va tout simplement. Ah, ça, c'est le. Vous rappelez le. Le sanglier qu'on a perdu, vous rappelez? On essaiera d'en récupérer quand. Voilà. Oh. Ouais, très bien. On va en récupérer quand on pourra. Alors, on va du coup retourner là-bas parce que j'ai des choses à poser, je crois. Je m'en rappelle plus. Je crois qu'on a des choses à poser. On va esquiver les choses parce que sinon on va être plein. Je veux me faire les crocopores aussi, je voudrais en faire. Mais je veux d'abord qu'on se libère l'inventaire parce que là ça devient un peu absurde. Non, qu'est-ce que... Might I interest you in my humble wares, my good sirs? Faut voir les cordes. Ouais, cordes, ouais. Ça aussi. Et ça aussi. On a besoin de cordes pour les ours. Alors, on doit déposer donc la nouvelle dame. T'es ouf. Inquisitrice. Très bien. Est-ce qu'on a de la nourriture à faire? Je crois pas. Non, on peut tout simplement déposer tout ce qu'on a en surplus. Alors ça aussi on va le déposer, donc ça, la viande aussi. Ça. On n'a pas vraiment besoin de garder le surplus de viande, parce qu'on a tellement de plats, donc du coup ça va. Et après je prends... C'est quoi ça? Après, je veux prendre le temps, je le ferai sûrement pas en vidéo, mais entre des vidéos, parce que sinon ça va prendre un peu de temps. C'est voir si je monte une autre personne en marmiton, là, parce que je ferai plein de nourriture d'un coup. Donc du coup, il faudra savoir si... Si on monte quelqu'un ou on arrête de monter les gens en marmiton. Enfin, en plus, honnêtement, ça coûte rien de monter les gens en marmiton. Donc en théorie, on devrait le faire. Parce que pourquoi pas? Vous voyez ce que je veux dire? Ça, on va le prendre avec nous. On est à combien pour? C'est un peu limite, mais ça va. Fais voir. Alors. On peut faire ça pour le moment. Après, le poids par... le poids va baisser très vite. Parce qu'à chaque fois, c'est 2 carcasses. Donc, c'est 6. Donc, ça devrait aller. Ça. Ça. Hop. Ouais, ça devrait aller. Ça devrait aller. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? On avait dit oui, on voulait regarder aussi l'ours. Alors, qu'est-ce qu'on a en collier? Alors, ça non. Il n'y en a pas. Alors, on a dégâts critiques. Dégâts augmentés pour un allié au combat. Il a déjà ça, donc ça ferait 20% de dégâts en plus. Ça serait intéressant. On pourrait prendre honnêtement le dégâts critique, tout simplement. De toute façon, j'ai rien d'autre, il n'y a rien vraiment de bien pour le moment. Ouais, on va faire ça. Alors. Hop. Très bien. Thank you.
continue à baisser, à baisser un peu le poids, évidemment. Ça, on les garde au cas où si on doit les, on est en surpoids et qu'on doit les remettre. Il y a les dents en or qu'il faudrait vendre aussi. Ça fait 5 lunes. Je sais pas, j'ai envie de les garder. J'ai envie de les garder pour faire style. Genre, waouh, wow, on a des dents en or. Alors, on va acheter des choses. Swamp water. Swamp water. Alors ça. You're not from Edoran, right? We fought. Le fromage, pas besoin. These pelts are... Non, ok, c'est bon, là. On vire tout, et après, bah, on continue notre petite aventure. On va essayer de... moins prendre... On devrait prendre même ça aussi. Vu qu'on a de l'argent, honnêtement, profiter. On va essayer de... d'avancer un peu dans le... dans ce qu'on a à faire, dans l'histoire et tout ça. Parce que, en fait, on a tellement de combats ici... Au bout d'un moment, on n'avance plus du tout. On n'avance plus du tout et c'est un peu embêtant. Mais bon. Après, ça fait le partie du jeu, hein. Mais je voudrais un peu avancer. Voir si vous avez des trucs. Non, on n'a rien. Nickel, let's go, on se casse. Alors, on peut... Ah, là, je crois que c'est un des villages. Ah, mais c'est difficile, hein, ces trucs-là, c'est difficile. On peut aller là-bas. Une chose à faire. Oh, il y a la... Ça, c'est la horde. La horde de zombies qui passe. Si vous faites attraper par la horde de zombies, il faut genre fuir la horde parce qu'il y a plein de zombies qui arrêtent pas de venir. C'est sympa ça, c'est vachement sympa ce système. C'est vachement sympathique. Oh, c'est quoi ça là-bas? Prenez... Allô? Prenez le champignon. Merci. On peut passer? Non, on peut pas passer. J'ai cru voir un... On est d'accord qu'on a vu un... Ah bah oui, et ça. Je me rappelle plus ce que c'est ça. Faudrait bien les combattre, mais notre poids, là, ça va être chiant avec les carcasses. Ancienne mine d'Edoran. Ah oui, mais attends, on a aussi ça qu'on n'a pas fait. La grotte. Ah bah tiens, on va aller les voir. C'est pas des gens perdus, ça? Genre une armée qui s'est perdue. More mercenaries. Do you think you're the first ones the Legion sent after us? Je sais pas de quoi il parle. We've killed wretches like you in all of the provinces and counties on this blasted continent. Ok. But we won't give up. If necessary, we'll go to the end of the world to find our one true colonel. And when we come back, Alexa Grathan will make the general shake in his boots. Ah ouais, quand même. Des hommes recherchés par la Légion se trouvaient dans du Dern pour éviter tout conflit avec Edoran. Les clans ont mis leur tête à prix. Mais ouais, mais nous on n'a pas. On verra plus tard. Ça c'est tribunal de pierre. On verra plus tard ce qu'on fait avec eux. Ils sont beaucoup par contre. Hein. Ils sont beaucoup et niveau 9, c'est cool. Alors là, l'ancienne mine elle est gardée. On va faire eux. Niveau 9, chaud. C'est parti. C'est parti. On va voir un peu ce que ça donne. Ah, si on a une chance de capturer l'autre ours, on le prend.
le fait. Puisque ça serait pas mal. Après un loup, je pense pas que ce soit... Enfin, quoi que... On va pas tester. Alors, on va voir 1, 2, 3, 4, 5... Ah, ils ont un sanglier aussi, c'est vrai. Et les mecs, je crois qu'on va passer en mode... on capture tout. On capture tout. On va tout capturer. Alors, c'est qui commence ? Laura est là. Toi, t'es un tank, ce serait bien qu'on... Ouais, ok. On a essayé, quoi. Très bien. En plus, ce qui est pas mal, c'est qu'une fois qu'ils sont à 50%, on peut les kidnapper, les mecs. On peut les attraper. Les faire prisonniers. Donc c'est vrai que c'est sympathique, en fait. Alors... Toi, tu devrais aller. J'aurais dû taper normalement, je pense. J'aurais dû taper normalement. Oh la vache! Je peux pas t'attraper, toi? Non, pas de capture. Ça marche. On peut pas toucher les deux, hein. Ah si. Cool. Cool, cool, cool. Il nous faudrait un autre esclave, je crois. Non, pardon, prisonnier. Il nous faudra un autre prisonnier. Ouais. Il y a un rocher là. Si on veut engager un animal, ok, ça marche. Elle aussi, on peut pas, hein, les chefs, on peut pas. Hein. Pas de capture. Ah,
Joli. Alors, on a le loup, il va se prendre 40 de dégâts. T'es 4 mètres devant comme ça. Ah merde, attends, si lui il m'attaque. C'est chier. On va voir. Le loup, c'est pas obligatoire, mais bon. Ça peut être pas mal. Ok, très bien. Ah merde, non, il est pas engagé. C'est embêtant, ça. Yes. J'avais dit que je voulais mon sanglier, non mais oh. Ah, et j'avoue que oui. What? Oh, elle a un truc genre si elle meurt, un autre ours vient? Guild des trackers, quand une unité non animale termine son tour, elle soigne l'animal allié le plus proche d'un montant égal à la constitution d'animal. Dégâts des unités augmentent 50% contre les unités engagées avec des animaux. Putain, mais c'était quoi ça? Là, cette déviation. Là, ça tue ce truc! Il y a encore plus d'ours pour nous! C'est terrible. Ah, c'est terrible. Alors je vais pas me rester collé parce que si jamais je compte, quoique non, non, ça ira, l'ours il a plein de vie. Okay. On va faire avancer les rats si jamais on en a besoin. Pour faire genre un tout petit peu de dégâts. On va laisser un passage. Ça c'est plus court. Inspiration. Oh putain, il est en train de me faire super mal. Il est en train de me faire méga mal. Faut qu'on attrape. Tout le monde est super loin. Comment on attrape le loup? Par qu'on le laisse nous attaquer? On va se reculer parce qu'elle a mal en point.
Ultra inspiration, c'est vrai que ça fait peur maintenant. J'avoue que ça c'est un truc qui fait super peur maintenant. Le fait que le l'ours peut se mettre lui-même inspiration. Ah c'est pas... Voilà quoi. Ça fait un tout petit peu peur. Par contre, il n'y a personne qui a provoqué. Attends, peut-être que je peux faire course. Putain. T'es sérieux? Pourquoi je peux pas passer là? Ok. Let's go. Les bombes font super mal, hein. Oh la vache. Les bombes font super mal contre la vie élevée, hein. Ça, c'est des pourcentages, en fait. Ils le disent ou pas? Oui, inflige 10% de santé. Ouais. 10% de dégâts de santé max. 230. Ça fait exactement 20%, ouais, du coup. 4 doses de poison, ça fait 20%, du coup. C'est pas mal. Donc là, on est à 460. Ça marche. Là, on peut tellement jouer que... Ah, mais attends. Non, ça va, il y a encore des gens qui sont proches. Toi, tu peux... Après, on fera elle. On fera une grane. Bon, par contre, maintenant, il faut le capturer ou il va mourir. Là, si on le capture pas, c'est mort. Ok, ça va. Bon, bah, on va avoir du choix. Ouh, fais voir ça. Pélisse, du trappeur. La bête qui a servi à cette pépélisse était majestueuse et digne de revêtir un trappeur. Il y a volonté dessus. Attends. Attends, parce que ça... Ouais, mais non, on peut pas... Enfin... Voir la gueule que ça. Ah merde, c'est niveau 8. Je peux la mettre sur le Laura. Ouais, c'est sympa. Ouais, c'est pas la meute fantôme, en fait. C'est la meute normale, quoi. Mais ouais, j'avoue, armure très très élevée. Volonté plus 1, c'est toujours sympa. Du critique dessus. Il y a du mouvement. Ah ouais, non, c'est quand même pas mal. Bon, après, nous, c'est niveau 5. C'est pour ça que nous, c'est un peu en arrière, quoi. De toute façon, quand on passera au niveau
Lui, tout ça, on s'en foutra, en fait. Donc, c'est pas très grave. Bon, c'est l'heure de vérité. Il est laborieux et dépressif. Alors, on peut s'assigner au feu. Augmente le transport de vin. On n'a pas besoin. Le feu, c'est sympa. Sanglier à truffe. De vie, c'est quand même beaucoup. Bon, celui-là, toi, t'es bien. Alors, toi, grande vitalité. Fort et grande vitalité. Ah! Il a 230 de base. Toi, t'as pareil, 230. Pourquoi il a 230? What the fuck? Lui, il a un niveau de moins et il a 201. Ah oui, mais c'est parce qu'en fait, ils ont pas vraiment le même... les mêmes stats, en fait. Genre 66 de force, nous il a 65. Sans avoir fort. Lui il a juste grande vitalité, il a rien d'autre. Combien on dépense? 96. Nous c'est combien par repas? Nous on fait quoi? Nous on fait un repas comme ça, et après on fait quoi? 3 plats? Donc on est à 82. Okay, ça marche. Fais voir le loup. Carnivore, rapide, glouton. Putain de toi, quoi. Vraiment nul. Carnivore, oui, mais glouton, ça nous fait un peu chier. Bon, on va garder celui-là, je pense. On va garder celui-là. Après, je crois qu'on va prendre celui fort et celui-là, on le vire. Voilà. Même si techniquement, on devrait garder les niveaux 9. J'aurais dû garder les niveaux 9. Pas grave, c'est fait, c'est fait. J'aurais sûrement dû garder le niveau 9. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le maître pêcheur au final ou pas? Oh, ça... J'aurais dû complètement garder le niveau 9. Ouais, j'ai fait de la merde, bah, comme d'hab, hein. De toute façon, je commence à être habitué. On peut aller en force, bordel. C'est ça que c'est pas mal. Cinquante-sept à 73.
Mais ouais, j'aurais dû... J'aurais dû garder le niveau 9. J'étais con. Honnêtement, monter aussi haut, c'est très long. Par contre, le loup, je sais pas si on le garde, en fait. Et là, on est à combien? 84. On avait dit qu'on prenait combien? J'ai oublié déjà. 82. Nous, on fait 82. Vous imaginez même pas comment je suis en train de me prendre la tête. Allez, mon petit rat. Rentre chez toi. Bon, lui, par contre, le loup, loup glouton, non, ça ira. Le sanglier, on le garde. De toute façon, il est là juste pour bouffer. Pas pour autre chose. T'as qu'à prendre ça pour le moment. Alors... on a attrapé quelqu'un ou pas? Non, même pas en fait. Je m'en rends compte. Je me demande si les gens, comment, comme ça, là, ils deviennent satisfaits. Si on les fouette une fois. Vous croyez que ça fait quelque chose? Genre, on s'entraîne avec les ours. Ouais, comme ça, on s'entraîne avec les ours. Pas mal. Ok, let's go. J'adore ce jeu. Attends, là, il y a un truc. Mais ouais, j'aurais dû complètement garder le niveau 9. Parce que pour passer de 8 à 9, honnêtement, ça prend beaucoup de temps. Je suis en train de me demander si on devrait pas... Ouais, j'ai 1700 de... influence. Ah, il commence à être fatigué. Ah, je sais qu'il commence à être fatigué. Ah, fais chier. Allez dans la forêt, les mecs. Putain, je suis bloqué. Bouh! Brigen la méchante. Bouh, elle est méchante. Oh, elle est méchante. Elle est méchante. Bon, il faut qu'on... Qu'on récupère des gens. Le sanglier est super résistant. Si jamais on en trouve des comme ça encore, on les prend. On les prend direct. C'est toi qui commence, Laura. Attends, Laura, tu vas nous faire... ça. Pas besoin de bravoure, il y a quasiment personne autour de toi. Bienvenue en enfer.
Oh la vache! Je l'avais pas vu le piège. Ah merde, je me suis mal positionné, j'ai pas fini sur... J'ai pas fini à côté, du coup j'ai pas fureur. Il faudrait qu'on kidnappe une personne ici. En plus c'est dehors la loi, donc... Au pire... Après on les fout en prison s'ils font chier. D'accord. Ah ! Une de force. Qui a kick, c'est marrant. Ça c'est marrant ça. J'utilise trop de... J'utilise un peu trop... de bravoure. Oh la vache. Doucement. Non mais... Elle vient avec nous. Cadeau. Miguel va le défoncer. Si je dis pas de bêtises, il nous faut juste une seule personne de plus, hein, pas plusieurs. Ça devrait aller. C'est toi qui joues. Un truc, vu que les ours sont pas de... Honnêtement, ce serait bien qu'on puisse leur mettre de l'armure, mais vu qu'ils ont pas d'armure, ils risquent de prendre beaucoup de blessures. Parce que bah, si on les laisse tanker en première ligne... Là, par exemple, là j'ai fait le bourrin avec lui. Bah, du coup, il prend cher, quoi. Donc, ils vont sûrement être blessés souvent, en fait. Ouais. J'avoue. Très bien. Alors, tourbillon. Sanglier, quoi, un champignon. Donc là, il y a deux trucs. Libérer la mine et tout ça.
pourrais faire de l'expérience en plus. Oui, oui. J'aurais dû l'activer juste avant en fait. Enfin, bref. Alors, oui, bande de voleurs, fin du loi. Ok, c'est bon. Ça, la facilité aussi avec les ours. Les gros tanks à PV en fait. Ouais, non, je. Je suis en train vraiment de me dire que j'aurais dû garder celui niveau 9 en fait. Tous les garder niveau 9. Mais bon, c'est pas grave. Et là, on peut mettre un ours à chaque coin. Pas passer l'ours comme ça. Ça fait 3 personnes. Pouvoir, ouais, voilà, lui faire très mal. T'as quoi toi? Okay. Je sais pas combien de dégâts ça fait l'éboulement. Honnêtement. Là on aurait pu faire une belle brochette. Mais ouais, je vais être honnête, je sais pas combien de dégâts ça fait l'éboulement. C'est pas magnifique d'être pris en sandwich par par deux ours. Oh, regarde-moi la brochette. Voilà. Non, oh, t'exposes le dos à nos amis. C'est con ça. Après, j'en ai pas vraiment besoin techniquement.
Poing, poing. J'adore le bruit. Joli. Ouais, que tu fais critique à 100% là du coup, c'est ça? Bon, toi t'as une... Toi ton camp détruit pas la garde, c'est la merde. Je vais rester là. Ok, oui c'est vrai qu'il a... Il a mis des bêtes et je l'ai augmenté, mettre des bêtes. Donc il gagne 5% de vie à chaque fois. C'est énorme. Putain, qu'est-ce que j'aurais voulu avoir l'ours avec 1000 points là. Quel con. C'est pas grave, on va en trouver d'autres. C'est pas grave. On se recule parce que sinon on n'a pas la place de passer en fait. Là, on n'a pas besoin de capturer des gens. Ah, le morceau de musique que j'aimais bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y a lui qui est un peu embêtant, là, le maraudeur. Toi, tu vas mourir. Ah, quand même. Désolé, j'étais en train de me mettre des gouttes car j'ai les yeux qui brûlent. On va lui grignoter le mollet. Toi, j'ai peur que tu t'énerves, toi. Que tu viennes sur le tas de... d'animaux. Ça m'étonnerait quand même, mais... Tu vas sûrement taper eux, là. Bon, on va voir l'éboulement, si ça peut tuer. Instinctif. Ah, ça va. C'est notre gros ours. Ah, c'est nul. Instinctif. Chance de subir un coup critique réduit de 25%. Putain. C'est ouf. Ouais, faut qu'il soit déjà engagé en fait. Et après il peut avoir acharnement. C'est un peu chiant leur système d'acharnement. Là. En fait faut qu'il se fasse engager en premier, puis après vous le jouez. Ouais, non si c'est ça. Ouais non c'est ça. Ok, toi t'es finalement niveau 7. On va faire la volonté parce que
Les gens, ils ont pas beaucoup de volonté. Très bien. Yeah, deux missions. Ça fait 1000... Oh putain, on a beaucoup d'argent. On a beaucoup d'argent. Mais ouais, je vais être franc, les animaux en fait ils peuvent pas avoir beaucoup de traits comparés aux humains. Parce que les humains, pourquoi ils deviennent extrêmement puissants? C'est parce que ils ont des traits en fait. Ils commencent à avoir des traits, donc ils deviennent de plus en plus puissants. Donc c'est bien d'avoir une équipe dès le début, d'avoir une équipe complète quoi. Les animaux ils ont... peu de traits en fait. Je sais qu'ils peuvent avoir glorieux, ça je m'en rappelle. Bon, maintenant on a vu qu'il y avait instinctif aussi. Ça c'est quoi ça? Ah, clé ouvragée, c'est bien. Ils peuvent avoir du coup instinctif, ce qui est pas mal. Mais je crois que c'est à peu près tout. Enfin, il n'y a pas grand chose en fait. Donc du coup, c'est pas très important de garder un animal longtemps, en fait. Si vous avez mieux en niveau, prenez celui qui est mieux en niveau. Là, je regrette un peu, même si l'autre, il avait pas de trait, j'avoue que le fait qu'il soit niveau 9, c'est bien. Après, si c'est niveau 9, il était niveau 9 par rapport à la quête. Au fait, y a rien d'autre. Par rapport à la bande, en fait, de voleurs, là, qu'on devait arrêter. Donc ça devrait... On devrait en retrouver, c'est ça que je veux dire. Mais si jamais, oui, il y a encore un niveau 9, go niveau 9. Ça sert à rien de pas faire niveau 9. Alors, toi... T'as un marmiton confirmé, ça tue. Enfin non, non, il faudrait... J'en avais un. J'avais un mec qui était marmiton compagnon. Et du coup, compagnon, il a le 5% là, de fatigue en moins. Donc j'avoue que c'est bien. C'était bien. Bon, lui, il a que ça. Là, d'autres... Non, ça m'étonnerait qu'ils aient d'autres... Ouais, non, c'est bête. C'est pas vraiment très utile, en fait. Voir 8 remèdes. On a des trucs à casser. Ça, c'est... C'est pas si mal, ce truc. Mais bon, là, nous, en masse, on a déjà des bonnes choses. Ça, j'ai envie de la garder dans un sens. Mais au final, ça ne me servira à rien. On va dire qu'on peut la garder pour le moment. Bon, avant que je décide sur ce qu'on mange, je dois faire une pause. Désolé, je reviens. Et on est de retour. Fais une petite pause. Alors, on a nos ours, on a ça qui est prêt. Okay. On va voir, c'est 80. Ça va, on est bon, on est bon, on est bon. Ah, les délicieux, c'est qu'est-ce que c'est chiant qui stack pas. Il y a vraiment un problème avec ça. Du coup, je sais pas, est-ce qu'on utilise des délicieux ou pas à chaque fois? Je sais pas. Attends. On peut mettre force plutôt. Je sais pas. Pareil au même de toute façon. Et on avait dit que nous on faisait à chaque fois le fromage. Si on changeait un peu. On peut mettre ça.
Ah mais oui, non, on a trois plats après. On a un repas et trois plats. Un repas et trois plats. Avant on était à combien? On était à 70 et quelques hein, quand même. Oui oui, on est tout le temps, on était toujours plus donc ça. Non, on est bon, on est bon, on est bon. C'est... Ouais, c'est un peu abusé, quoi. 82. Là, on a... 2 points de bravoure en plus. Critique. Vitesse. Force et vitesse. Pas vitesse de fatigue. Ok. Très bien. Ours, très bien. 2. Que ça marche. On est content. Fais voir, t'es content. Satisfait. On va mettre barbe. Je mets barbe parce que comme ça j'ai pas le la personne qui pop en fait. Dans la liste quand je veux faire de la nourriture. Je me rappelle dans le early. Alors là c'était une, là, c'est une grosse histoire. En early j'avais vu comme j'avais dit j'avais pas trop. Ça, c'est quoi ça? Piller ancienne tour de guet. On peut y aller. J'avais pas beaucoup de gens au début. Je suis resté souvent avec des animaux au début. Et j'avais pas assez de personnes pour avoir... D'accord, on s'est fait pris en embuscade. Oh la vache. J'avais pas assez de personnes et du coup j'avais dû capturer des gens. Et j'avais un prisonnier qui était du coup... Attendez, vu qu'on est en... En fait, quand on a notre jour de paye, en fait, on devrait mettre ça à chaque fois. Putain, même c'est 200. Pas grave. J'avais une personne que j'avais fait prisonnière exprès. Des déserteurs, très bien. Pour faire le... Tout ce qui était les choses de temple. Et tout ça. Et après j'avais quoi? J'avais aussi pris quelqu'un pour je sais plus quoi d'autre. Enfin voilà, mais j'avais des prisonniers en fait pendant très très longtemps. Et le problème avec les prisonniers, c'est qu'ils sont pas... Vous avez vu, les skills, c'est pas les mêmes. Ils en ont 2 à chaque fois et c'est tout. Ils ont pas tout plein d'habilités comme les gens que vous trouvez, quoi. Et du coup, c'était la merde. C'était vraiment la merde après. Parce qu'après, ils ont voulu rejoindre mon groupe, donc j'ai dit oui, mais au final, c'était pas très très utile. Donc j'ai dû les changer, mais je les ai changés super, super, super tard. Comme j'ai dit, hein, j'étais quasiment à la fin du jeu, hein, enfin, fin des régions de l'early. Quand... Quand j'ai eu mon équipe entière, quoi. Genre, comme je disais, là, les brutes... Non, pas les brutes. Les brutes, c'est ceux avec la masse. Ceux avec la hache, là, comme Laura, par exemple, elle est là. Comme... Putain, mais il est méga loin, lui, c'est ouf. Ok. Ah, on peut faire ça. Ah oui, toi, c'est pas mal, en fait, le coup de... Putain, mais c'est ouf, en fait. Ouais, non, c'est vachement puissant, un ours, en fait. Maintenant, c'est devenu méga puissant. Parce qu'il peut se mettre, du coup, inspiration lui-même, et après courir. Ouais. Lui, on lui a mis mouvement 16. Lui, il a mouvement combien? 12. 16 aussi. Ouais, c'est vraiment puissant. Enfin bref, donc comme je disais... j'ai eu la classe... Putain de merde. Ok. J'ai eu la classe super tard. Pour inspiration et tout.
désolé. Donc ouais, on joue beaucoup mieux maintenant. Je sais pas pourquoi je parle de ça. Ok, très bien. Je peux pas l'atteindre. Ah, si. Si, si. Ça aussi, le coup des ours comme ça, là. Vous voyez, normalement, quand vous regardez mon gameplay, je fais jamais ça. Le fait de lancer, genre, une unité en plein milieu de, des autres. Même si je planifie très bien, vu que je planifie, du coup, je le fais jamais, en fait, des choses comme ça. Mais encore une fois, avec les ours, bah, vous pouvez, hein. Vous pouvez facilement, en fait, faire ça. Sont tellement résistants. Quoi? T'as dit pas de menu là-bas? Oui. Au fromage. D'accord. Donc, des chips et des trucs là, au caramel. D'accord. Sur la table. Merci. Oui. Ouais. Et tu as des panini préparés là, que je t'ai acheté à l'intermarché. Ah d'accord, merci. C'est le sachet noir. D'accord, merci. Excuse-moi. J'ai dû faire une petite pause. On est de retour. Je sais même plus ce que je disais. J'étais tellement interrompu plusieurs fois. Du coup. Oui, la stratégie. De balancer. Ouais, tu peux rester là. De balancer une unité en fait. En plein milieu du combat. Je le fais jamais. Mais là, avec les ours, vous pouvez complètement le faire en fait. Quelqu'un est engagé avec un ours ? Donc ouais, ça c'est vraiment une bonne chose. Tu fais des très bons dégâts quand même hein, avec ça. J'avoue que là j'en ai plus vraiment besoin de la boue. Pourquoi ? Parce qu'on a les ours. Si jamais je veux bloquer un endroit, on balance un ours en fait. L'ours il prend... Il prend combien de place ? Il prend... Il prend une demi-case, deux demi-cases et un petit carré en fait. Il prend genre, par exemple si on prend Lida en point de repère, bah, il prend le devant et le côté quoi, en plus. Donc ouais, on peut tellement bloquer le chemin des ennemis comme ça, avec ça. Donc du coup, on est bon. Donc ouais, si jamais on a des problèmes, hop, les ours.
Non, non, on va tuer tout le monde. Et puis, si jamais ça se passe mal, pour être franc, c'est rien que des ours. C'est pas... Genre on perd pas nos personnages, quoi, nos compagnons. Là, nos compagnons, ça c'est grave s'ils crèvent. Mais les ours, on peut en trouver d'autres. On a quoi ? On a mis un peu de... d'influence. On a mis un tout petit peu d'influence sur dans les ours et tout. Hein. C'est tout ce qu'on a mis. Hein. C'est absolument tout ce qu'on a mis, c'est tout. Ah, je crois qu'on va découvrir des choses au bord de la mer. Je crois qu'il y a des secrets. Hop. J'ai découvert un secret. Ce corps ressemble à un débarcadère de contrebandier. Ouais. Contre la peste, ça je m'en rappelais. Y a rien d'autre. Y a rien d'autre. On testera là notre un des prisonniers là, il est satisfait. Donc il est en moral genre positif par rapport à la troupe. On va voir si on le fouette un peu, voir ce qui se passe. Est-ce qu'il va directement nous détester ou ça passe. Vous voyez ce que je dis? Est-ce qu'on a de la marge par rapport au niveau où il nous déteste? On a un peu de la marge. Ouais, par contre, je sais pas trop quoi en faire pour le moment. Est-ce qu'on peut monter trop loin de la troupe? Ah ah. Ah, je crois que les moustiques, il faut quelque chose de spécial pour les attraper. Ça vient de me revenir. Clairement, oui. Je crois que les moustiques, on peut pas les attraper comme ça. Les moustiques, on les attaquera plus tard. Je suis quasiment certain qu'il faut quelque chose de spécial. Aïe aïe aïe, c'est bon. Bonjour, contrebandier. Come in. This hideout is no longer safe now that the guard is on our heels. I am looking for a way out of Ludern, and mercenaries such as you would certainly make things easier for us. Protect us until we get to safety, and you can have half of our supplies. La fable du loup et du houblon. Ah mais ça c'est un repas. Wait, what? But why? Merde, ah, je suis bloqué, je crois. Ah non, c'est bon. Je sais que en early, parce que la plupart du temps on peut toujours annuler le combat et tout ça, sauf si on se fait vraiment pris au dépourvu. Mais je sais qu'à un moment en early, j'ai fait ça pour voir en fait quel niveau ils étaient. Je crois que j'étais bloqué dans le combat, j'étais obligé de le faire après. Mais ouais, on peut faire ça. Deal.
We'll meet you outside. Ça marche. We smugglers are the only ones providing the people of Harag with plague remedies. To think that the guard wonders why no one wants to rat us out. 115, ça. Ah, ça, c'est pas mal. Hein. Ça, on peut vendre ça. Ça. Je lui vends là, les babioles. Ok. Les armes, et équipements, je sais pas encore si on les vend ou pas. I hate Ludern. This land is cursed. J'aime bien sa voix. J'aime bien sa voix. Non. J'aime bien l'autre quand je l'ai attaqué. Wait, what? Why? C'était marrant. Ah, faut les aider. We got you. Mercenaries, it's your lucky day. These smugglers have a bounty on their heads. No need. We've already hired them. Right, mercenaries? Mm. How did you... You've been careful not to say why you were wanted, haven't you? Ah. Look at them mercenaries. They're nothing but profiteers, charging a fortune for the plague cure. No, they raid our tombs where the gods dwell and then sell our relics to the highest bidder. Ah oui, bidder. C'est vrai qu'ils ont ça aussi. Relics? Those little shards of baked clay? I'm surprised we can even find buyers for that rubbish. You should be thanking us. We're cleaning up your old ruins. Dare you, mercenaries? You can't defend bandits who scorn our gods and our relics. Je vais être honnête. Je me rappelle comment on finit la fin et on va dans un tombeau et on fait pareil. Donc bon, ce serait un peu se foutre de la gueule des gens de dire que on est de leur côté à eux en fait. Alors, fais voir un peu. Ouais. Yes! Ah merde, ils sont que niveau 8. Chier. Ils sont que niveau 8. Ce serait bien qu'ils soient 9. Comme ça, on récupère encore un ours 9. C'est cool. Ils vont peut-être pas être très très contents, hein, les gens, qu'on se mette du côté des... Oh, c'est la zone que j'aime pas. Il y a des nuages de poison. Et en plus, là, il y a mauvais temps. Donc, du coup, on a des éclairs. Ouais. Ours niveau 8. Vous êtes bien équipé. Toi, par contre, t'es... Ouais, enfin, vous avez critiqué tout, boosté, j'ai envie de te dire. Go attaque, quoi. Bon, par contre, ça va être la merde. Il y a de la boue aussi. Il y a de la boue, il y a du poison. Il y a tout, hein. Il y a tout pour foutre la merde. Donc, faut faire gaffe aux animaux surtout, faut pas qu'ils... Mettez-vous là, comme ça vous me gênez pas. Faut pas qu'ils prennent le poison. C'est pas un, c'est deux à chaque fois ici. Le sanglier, ça sert à rien de le prendre, on a déjà un niveau 9. Pas à quoi d'avoir un deuxième sanglier à rien. Le loup, je serais pas con d'essayer de le capturer. Voilà. Je crois qu'on va juste tuer tout le monde. Ici, on a Ménette. Et Duan avec un ours. Là, on a un ours. Siléa, Miguet. Ouais, on est bon.
Joli. Toi, t'es mort. Comment ça, poison? Ah, oh, là-bas, là, il y a une brume de poison aussi. Putain, elle doit être tellement fine. Chaud. Oh, le coup de bouclier en pleine tête qui te one shot, c'est ouf. Très bien. Qu'est-ce qui joue là? Oh merde. J'étais sorti du poison en fait. 20 dans la bouche comme ça là, c'est chaud. Ah oui, et il y a ça aussi. Et nuée de moustique, inflige 10% de dégâts de santé à toutes les unités qui traversent ou terminent son tour dans le nuage. Ces insectes semblent attirés par la sueur. Ah. Ouais, parce qu'ils bougent aussi. Chaque tour, ils vont bouger. Donc ils sont attirés par la sueur. Genre, j'imagine quand il y a du combat en fait, ils sont attirés. Oh la vache. Ouais, j'avoue que là, là tu fais mal là. Avec la galvanisation et tout direct, avec ça en plus. Ah oui, non, ouais, d'accord. Mec, tu sais ce que c'est ça? Ça c'est la bonté divine qui va te tomber sur la gueule. Hein. Je sais pas si on va pouvoir finir les autres en fait. Attention au poison. Merci. Ah, je peux... Elle me bloque le chemin. Je vais te faire ça. Putain, je pourrais l'attraper. Change de réussite. Pourquoi c'est en rouge? J'ai pas assez de cordes. Ah, on l'attrape ou pas? On pourrait peut-être avoir un meilleur ours.
toute façon, tuer des ours, ça donne juste des de la viande d'ours. Une carcasse, sûrement. Niveau 8. Rage la nuit. Cette unité ne peut pas mourir. Des dégâts provoqués par saignement, poison ou brûlure. Après, qu'est-ce qu'on va lui mettre au niveau 12? Parce que j'ai envie de le garder, le râteau, peut-être. Enfin, si c'est pas lui, on gardera un autre râteau. Râteau bien docile, en fait. Mais qu'est-ce qu'on lui mettra? Genre ça, chaque attaque effectuée ou subie... Ou subie? J'avais pas vu. Applique 2 de poison à l'unité adverse. Et là, là, c'est immortel. Quand cette unité doit mourir, elle ne meurt pas. À la place... À chaque attaque subie, elle a 70% de chance d'esquiver, sinon elle fuit. Bah, c'est vrai que de lui mettre ça, en fait... Du coup, j'imagine que mourir de Dot, ça reste possible avec Immortel, en fait. C'est pour ça qu'il y a ça qui existe. Après, le fait qu'elle puisse mettre 2 de poison tout le temps, c'est puissant. On va faire ça. Ah, fais voir un peu. Peau dure. Garde. Ça lui sert à rien. C'est de la merde. Thank you for your help. We couldn't have fought off the guard without you. We'll manage from here on out. The secret dock should be close. As for your reward, it awaits you in the basement. Merci. Oh, il y a des crocopores. Oh, cool. Merci beaucoup. Il y en a 12 des crocopores. On a 1100 qui nous attendent, ouf! Ah oui, mais par contre, c'est ici. Bon, ça va, il n'y a pas de... Ça va, il n'y a pas de poison. Ah mais attends, j'ai combien d'ours, du coup? 3 ours. Donc les crocopores, donc ça, est-ce que c'est toujours aussi pété? Alors, lui applique saignement, si elle a déjà, lui applique un de poison. Ah oui, c'est l'inverse, moi je disais que c'était l'inverse. Donc on a morsure pathogène. Ouais. Donc ça fait saignement et après ça fait que du poison. Du coup, quand ça tape sur du poison, en fait, ça... Enfin, quand ça tape sur du saignement, ça fait que poison, poison. C'est abusé. Quand cette unité meurt, une nuée de moustiques se forme. Ça aussi, c'est abusé. Et après, il a la charge. On va essayer d'en capturer le plus possible. Je veux mon armée de crocopores. Non, je le fais ou pas? Je sais pas. Moi, je veux bien mon armée de crocopores. Que je fasse attention hein, parce qu'ils font ils sont dangereux. Hein.
ils sont dangereux. Surtout du coup si on a des ours, ils vont prendre super mal. Hein. Entre saignement, poison. Oh mon dieu, j'ai mis deux trucs qui sont devant, mais quel con. Ok, on va devoir faire gaffe parce que là on a beaucoup de trucs. Beaucoup de moustiques. Et ça va poser problème. On va kidnapper personne en fait. Enfin, on va attraper personne quoi. Peut-être eux là. Tu vas prendre combien de dégâts là? 24. 54. Ok, c'est parfait. Okay, ils ont assez de vie en fait pour résister les attaques. Armée de crocopores. En plus, quand on les capture, ça fait pas de... Ça fait pas de moustiques. Alors, toi, comment on va te tuer ? Aïe aïe.
Si je le touche, là, je le tue, non ? On va attendre, on va voir ce qu'il fait le croco. Parfait, il sait. Pourquoi il gagne riposte ? Ils ont quoi ? Crocoport, chaque fois qu'une unité termine son tour adjacent à une unité ennemie, elle gagne riposte. Même eux, ils ont des techniques abusées. Incroyable, le Crocoport. Et avant, c'était méga chiant d'attraper les animaux aussi. Comme j'ai dit, là, maintenant, on a le système de plus 50%, là. Mais avant, c'était méga relou. Ah, ça y est. Alors, toi, on va rester avec l'arme empoisonnée, comme on avait dit. Gaz explosif, c'est pas toi qui va le faire. À la fin de son tour, se désengage, repli. Ah, honnêtement, c'est pas mal. Hein. Gatai d'onde augmentée de 20%. Ouais, ouais, on va faire ça. J'ai tellement envie de voir ce que ça fait, l'augmentation. Parce que ça nous permettrait d'attaquer en fait, même les cibles non engagées. Mais bon, après nous on est parti dans les gorgeurs quoi. Ouais, nous on va rester égorgeurs, moi j'aime bien. Là ça fait plein de poison. Double les poisons, ça sera pour l'autre. La fin de son tour se désengage. Ouais, on va prendre dégâts dans le dos. On a l'ours qui a augmenté. Ah non, ça c'est l'ours qu'on va jeter en fait. Ancienne tour. Alors, attends. On va d'abord regarder ce qu'on a là. Là c'est un peu le bordel. Donc on a dit que lui on va pas le garder. On va pas le garder. 5, 4, ça consomme beaucoup aussi. Alors, crocoport. J'adore ces trucs. Alors, élevé par les sangliers. Ah bah tiens, attends. C'est qui est élevé par les sangliers? Parce que je voulais tester en fait si ça marchait ou pas avec les crocoports. Alors, élevé par les sangliers, toi. Donc, plus 3 si t'es à côté d'un sanglier. Fais voir si ça marche ça. Ah non. Non, il faut absolument un sanglier en fait. Ah ça c'est bête ça. J'avais dans l'espoir que ça fonctionne. Peau dure, pas de chance. Ça consomme cher aussi. Et après, qu'est-ce qu'il a comme habilité? C'est exactement pareil. Chaque fois que cette unité subit un coup critique, elle gagne riposte. Déstabilisation. C'est pareil, ils ont calqué. Bon, ça c'est bien. Ah, mais c'est... ah non, attends, déstabilisation. Applique déstabilisation à la cible pendant un round. Garde réduit à 0%. Là, c'est frappe déconcertante. Inflige des dégâts et applique déstabilisation pendant un round si c'est un critique. Blessé et dangereux, gagne 5 en colère. C'est pas la même chose, ça c'est bousculade et l'autre c'est une attaque.
Donc ouais, c'est pas exactement la même chose. Je sais pas, ça fait beaucoup. 104 c'est trop, évidemment. 104 c'est un peu trop. Je suis d'accord. Après avoir deux ours, est-ce que c'est pas over pété? Ça consomme 6. Ça fait beaucoup. Déjà, si on les met tous. On réduit de 2. On les réduit pas à 2 en consommation, mais on les réduit de 2. Donc, on en passe à 4. On est à 96. Moi, j'avais dit qu'on était à... On est à 82 maximum. On va laisser ça comme ça. 82 maximum. Aussi, on a eu de la viande de crocopore. Nourriture 5, par contre. C'est pas 4, c'est 5. Crocopore, bien que très nourrissant, ne présente que peu d'intérêt pour la cuisine. Et je crois que c'est faux, parce qu'il y a un plat crocopore. Alors, fort, végétarien, solitaire, et de pas sanglier. Peut-être assigné au feu de camp ou alors transport augmenté de 20. Ça par contre c'est un truc que je sais jamais. Assigné au feu de camp c'est seulement pour le bonheur. Donc en théorie c'est pas très très intéressant. Donc on peut mettre le transport. Ah oui, c'était des remèdes que je voulais faire. J'en ai pas fait. Aïe, 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 aïe. C'est peut-être un peu beaucoup. Repère est prêt à tomber. Donnez le dernier assaut. Des renforts arrivent. Ah, elles viennent prendre une embuscade qui met fin à un avantage au combat. Trop bien d'avoir des animaux. Trop bien dans le jeu. Ouais, on peut jouer tous d'un coup sans que eux ils bougent. C'est trop bien. Vous avez du bon équipement. Ouais, moyen quoi.
Ouais, vu que vous avez été pris en embuscade, on va en profiter. Bien vous en profiter. Ok, let's go. On massacre tout le monde. Les mecs, je crois que vous allez pas voir les renforts honnêtement arriver. Je vais être franc. Il y a très peu de chances que vous voyez les renforts arriver. Extrêmement peu de chances. Attends, on va faire comme ça d'abord. Pour briser la garde. Putain, tu prends pas beaucoup de dégâts. Hein. Même sans ta garde, c'est chelou. Joli. Mais attends, tu te fous de moi? Mais pourquoi tu es aussi résistant, toi? C'est bizarre. Eh, les mecs, oh, faut se réveiller. Hein. Faut les défoncer. Hein. Après ils sont très très mal en point tous. Putain, 20 dégâts le piège. Est-ce qu'on a... Est-ce qu'on a des AOE?
j'ai pas assez de force, putain. Il y a ça qui s'est déclenché, mais en fait. Sans deck. Ah oui, mais putain, mais il tue pas, lui, c'est vrai. Oh là là, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Là, il nous faudrait des grosses AO. Là, j'avoue, le genre Albardier, là. Là, j'avoue que ça serait intéressant. Essayer de tuer ce qui reste. Très bien. Ils font méga mal hein, avec leur boost de merde. Le problème c'est qu'on sait pas par où viennent les renforts. Ça c'est un problème ça. Pas savoir. Enfin, c'est exprès, hein, mais bon. J'avoue que... ça peut être un tout petit peu embêtant. J'essaye de mettre les animaux en sécurité, genre ensemble. Parce que là, on n'y arrivera pas. Techniquement, je pourrais faire course et me mettre dans le dos, mais bon, on va peut-être pas exagérer. Ouf! Ouh, il y en a beaucoup! Ouh, il y en a beaucoup! On va pas se laisser intimider. Il y en a un peu partout en fait. Il y en a un peu partout. Oh, c'est quoi ça? Revers perfide, pardon. Applique saignement s'ils sont. Thank you.
Attends, j'ai pas... Pas boosté par... par la vitesse. Ah, eux, ils vont nous faire chier derrière. Toi, tu peux aller très loin parce que t'as le déplacement. Duan, normalement, pareil. Yes, ok. Duan, tu vas pouvoir... Tu vas pouvoir contrer... Protège. Je pense pas qu'il allait faire ça. C'est pas grave. Lui va mourir de... Non. Ok, faut anticiper. Bien. Je sais pas pourquoi il a contré. Encore une fois, je comprends pas comment ça fonctionne. Je sais pas. Pas grave, on s'en fout. On s'en fout. Alors, toi t'as un archer. C'est un tir qui repousse. Donc les archers. Laura va avoir des problèmes, faut aller l'aider. L'archer, ça me fait pas trop peur. Vache.
Toi, tu vas taper sûrement le crocoport. Combien de force, toi ? 55, oui, il a beaucoup de force en plus. 39. On va te bloquer. Très bien. Tu vas pas mourir, mais je sais pas, peut-être que l'ours il va faire quelque chose. Alors il faudrait s'occuper de ces trois là. Non, on va pas faire deux, pas utiliser deux pour ça, parce que toi tu peux rien faire. Enfin quoi que, c'est quoi, c'est un swing ça? Zone de 2 mètres, hein, tu vas peut-être pouvoir toucher Duran. Ah, très bien. Ah, mais ils ont gagné riposte grâce à Laura. Maintenant, je viens de comprendre pourquoi. Parce que je me dis, il a pas l'inspiration, c'est bizarre. Parce qu'ils étaient déjà engagés. Donc, du coup, ils gagnent riposte à la place d'inspiration. Hé hé, bah ouais, tu peux faire que ça, c'est con hein. J'avais bien jugé le truc, j'avais bien fait. Toi c'est bon. Toi tu risques de faire un peu mal. Là, on a l'ours. On vient de lui mettre fureur.
coup, tout, 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 tout. Là, je pense que... Ouais, non, on a besoin d'aide là. Ah, je parle moins, hein, parce que quand je me concentre, c'est un peu plus stratégique. Ok, très bien. Voilà. Ça devrait aller. Il y en a encore 10, hein, c'est beaucoup, hein, mais ça devrait le faire. Bon, toi, tu vas mourir du poison et tout ça. Ok. Ok, là il faut qu'on... Faut qu'on finisse tout ce groupe là. Du coup, tu crèves. Voilà. Du coup, tu crèves. Pas vraiment. Oh, regarde. Regarde ton mouvement comme il est tout pourri. C'est con, hein. Con, hein, ton mouvement est tout pourri maintenant. Ralentissement. Vois-tu ? Du poison en plus. T'as encore eu que j'avais des animaux, hein. Je veux pas dire, mais... Les animaux sont bien tombés, hein. Y a pas à dire, les animaux sont bien tombés. Hein. Voilà.
Question, c'est est-ce qu'on en attrape quelques-uns ou pas? Des gens. Je dirais pourquoi pas. On peut voir un peu ce que ça donne. Ok, il reste plus que deux, ils sont tous là. Ah, on va payer cher en réparation. Oh la vache. Ça va être cher, Ross. Ouais, t'aurais pas dû faire ça. Notre on a fait notre combat. Alors, fais voir un peu. Yes. Hein, c'est pas mal ça. Armure lamellaire du criminel. C'est intermédiaire. Putain, difficile de justifier d'honnêtes intentions lorsqu'on arbore une telle tenue, une telle armure. L'épée a l'air pas mal. Ouais, il y a du bon. 15. Et qui a été blessé? Crocoport. Toi aussi, on peut te. On verra. Pas mal, pas mal, pas mal. C'est quoi ça? Saucisson aux graines. L'apport des graines de chanvre fait passer saucisson à un tout autre niveau. Prix de vente des marchandises augmenté de 10%. Ça tue. Oh oui, non, ça c'est vachement bien ça. Quand vous revendez de l'argent, le métal, à quasiment 200 l'un, ça fait une différence. Hein. Ça fait une différence. Alors, dégâts des attaques dans le dos augmenté de 5%. Ouh. Dans cette petite boîte se trouve un sable très fin mélangé à de l'eau qui sert à affûter les lames. Plan ruche. Oh, yes! Nickel. Nickel. Help us, please. They'll be back any minute. Oh, ils ont tout tué. In the name of the eye, open this cage. Clé ouvragée. Ouais, on l'a la clé. They were planning to sell us as slaves. Slaves! And those damn clans, these two-faced trackers who claim to fight against such cruelty, they didn't lift a finger. Ah ben. Let's go back to our people at the sawmill. They must be worried sick. Thank you, mercenaries. We will never forget what you've done for us. You will be forever in our prayers. C'est pas très cher payé quand même. Ah, peut-être qu'on les retrouvera plus tard, je sais plus. Je crois qu'il n'y a rien d'autre. Faut faire attention parce que je me rappelle bien la... Oh, c'est quoi ça? Ferme en ruine. Il y a la horde de zombies qui peut venir. Ferme en ruine. On l'a déjà fait. Non, attends, par où on passe? Ah, là-bas, il nous demande un crocoport, je crois bien.
Honnêtement, ça me fait chier d'en donner un. Là, il y a des... Ça, c'est nouveau. Je suis sûr que c'est nouveau, ce truc-là. Ça doit faire quelque chose après. Pêcherie. Je crois que elle nous demande un crocoport. Moi, ça m'énerverait de... Enfin, ça m'embête de me séparer d'un crocoport, honnêtement. Mais bon. On va devoir s'arrêter là. Je crois qu'on va s'arrêter à la pêcherie là. On va s'arrêter là. Fais voir toi. You did it. I hope you didn't win only because the new champion is too weak. Oh, t'es nouveau toi. Anyway, here's your reward. Everything I learned over the years spent away from my family. Tireur. I'm doing my best to support Merwin. T'es nouveau, toi, t'existais pas. Donc tu viens de nous débloquer une nouvelle classe. Grip had been my companion and friend since I was a child. He was the best boar that ever lived. He deserves to be buried with honors. Ok, tiens. It means a lot to me. He would have loved these flowers. I think this funeral will help me move on. I feel ready to adopt a new pet. New pet. Find me a croc swine, and I'll get you something special for your four-legged companions. Aïe aïe aïe. Collier infusé. On n'a que deux? On a trois normalement, non? De vie, 104 de vie. Qu'est-ce qu'on fait? On donne celui-là qui est solitaire ou celui-là qui est fort? 13, 18. 15, 21. Bah, celui-là qui est solitaire. Il devrait faire plus de dégâts, je crois. Enfin, c'est du pareil. Tiens, t'as qu'à prendre celui-là qui est solitaire. What a beautiful beast, a fine successor to Grit. Ah, here's your reward. Promise me you'll take good care of your animals. Dire putain de l'ingrate créature semble ne pas vous reconnaître. Genre son sanglier s'appelait Courage et lui s'appelle Vaillant. Ah mais il est là le sanglier mort. Bon désolé, on pêche à côté. Après, j'ai envie de dire, nous, on a enterré notre sanglier qui est mort aussi. Hein. On a fait pareil. Hein. Il rigolait pas ici quand il disait il y a de l'argent à se faire. C'est dangereux, mais il y a de l'argent à se faire. On a 1640 qui nous attend. Mais c'est beaucoup de combats. C'est beaucoup de combats. Ok, on va s'arrêter là. On va regarder vite fait le truc. Donc toi, t'es quoi? Toi, t'es un barde. Toi, tu sers à rien en fait. Criminel. Dégâts augmentés 30% contre les unités qui saignent, brûlent ou sont empoisonnées. L'effet se cumule à chaque statut. Ouh, sympa. Dégoût des faibles. Sympa. Et donc on a eu collier infusé. À la fin de son tour, cette unité soigne 10% de santé maximum. Oh la vache. Et la ruche. Oh mon dieu. Enfin,
Allez, maître, matériaux réparation, forgeron du village répare 2 points d'armure supplémentaires. Cool. Ça y est, allez, maître. Donc, on répare plus. Ça marche. Mais en fait, non. Faudrait inverser, parce que toi, t'as plus de vie. Faut qu'on aille se vider les poches aussi, parce qu'on a trop de trucs. Bon, on va s'arrêter là. On va regarder les... On va faire les nouveautés, vite fait. La ruche, je peux pas. Il me faut de la corde. Bah, 6. Ouais, il me faut plein de cordes. On a la ruche, ça. Alors la ruche, je sais plus comment ça fonctionne. Ah oui, il faut juste mettre des... Oui, n'importe quelle fleur, ça fonctionne en fait. Ouais, la ruche, c'est vachement bien. Je crois que les... Le plus qu'on a, c'est quoi? Percer des marées? C'est quoi pour faire les potions? Oh, on verra ça la prochaine fois. Je vais m'arrêter là parce que sinon ça va, c'est déjà trop long là. À la prochaine, merci beaucoup d'avoir regardé. Je vais un peu changer le camp et après on rentrera chez nous la prochaine fois. Merci beaucoup. Ciao ciao.